Coucou, mes petits. Bonsoir, bonsoir. Nadine, je t'ai envoyé le lien de connexion sur WhatsApp. C'est là-bas que tu dois aller te connecter parce que je ne te vois pas dans le studio. Bonsoir, Sandra L. Bonsoir, Linda. Oh, tu n'as pas cousu. Coucou, mes petits. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, écrivez un dans la barre de commentaires. Si vous m'entendez bien, le son est bon. L'image aussi, c'est bon. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, écrivez un dans la barre de commentaires. Moi, je n'ai pas cousu aujourd'hui là. Je ne te vois pas, Nadine. Regarde le dernier message que je t'ai envoyé sur WhatsApp. Sinon, je te verrai là. Je ne te vois pas. Il faut cliquer sur ça. Tu comprends? Hein? Je ne te vois pas encore. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, le week-end vient de commencer. Il reste un jour. Demain, c'est dimanche. Après, le travail recommence. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez cousu? Les personnes qui ont cousu aujourd'hui, il faut lever la main. Moi, je n'ai pas cousu aujourd'hui. Ça va, quand même un peu fatigué, mais ça va. On est là. On tient à sa parole et j'ai hâte à ce que mon invité d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, je te vois. J'ai hâte à ce que mon invité aujourd'hui vous partage son histoire. Likez d'abord le direct. Quand vous êtes là, vous likez d'abord. Vous partagez, partagez dans les stories Instagram. Dans les stories WhatsApp, Facebook. Je n'ai même pas notre téléphone, sinon j'allais partager sur ma page. Donc, il y a qui là? Linda Boucher. OK. Coucou Linda Boucher. Coucou Brel, Bonnel. Bonsoir, bonsoir. Pour les personnes qui vont regarder ce direct en replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire replay et puis vous laissez votre commentaire, d'accord? OK. Je pense qu'on va commencer. Nous sommes 27 actuellement, mais ce n'est pas grave. Les autres vont nous retrouver plus tard. Je ne veux pas prendre de trop de temps. Le temps est précieux, donc voilà. OK. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de parcours de couturière d'une autre couturière qui est arrivée dans la couture comme ça par Providence. Elle ne s'y attendait pas. Et voilà, j'ai hâte à ce qu'elle vous raconte son histoire qui est aussi particulière, différente de mon invitée de la semaine passée qui était Sala Paris. Sala Paris qui est également une youtubeuse couture. Et vous pouvez regarder la vidéo plus tard pour les personnes qui ont manqué la vidéo. J'ai créé une playlist où je vais mettre tous les lives en relation avec le parcours de couturier de chaque personne. Le but de ces lives, c'est de nous inspirer. Donc, que chaque invité qui va passer sur le direct puisse comment dire ça, nous impacter de sa façon. OK. Donc, je pense que je vais appeler Nadine et on va commencer. D'accord. Je vais l'appeler dans le direct et elle est déjà prête. Je la vois là. Elle est déjà prête. OK. Je vais t'accepter, ajouter. Voilà. Je pense que tu es déjà là. Je vais changer le format. Voilà. Oh, tu es toute belle aujourd'hui là. Je sors d'un baptême. Ah, oh, ok. Wow. Ça va? Oui, ça va bien et toi? Tu es prête? Je suis prête. Ok. La journée, ça a été quand même. Oui, j'avais complètement zappé le baptême. C'est vraiment au dernier moment que j'ai dû aller finalement. J'ai pris congé parce que j'étais quand même censée être à la maison. Et puis voilà, je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Ok. C'est pas grave. Ça, c'est quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous spécial. Exactement. Voilà, tu as la une aujourd'hui, donc moi-même, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. J'étais pas trop en forme, mais quand l'heure est arrivée, là, j'ai dit, allez, on y va. OK, alors Nadine, est-ce que tu peux déjà te présenter, saluer nos prêtis et te présenter en quelques mots? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vis-tu? Alors, je suis Nadine, la personne qui se cache derrière la marque Beau et Belle, pour ceux qui m'ont jamais vue, parce que c'est vrai que dans les réseaux, on ne me retrouve pratiquement pas. Nadine vit en Suisse. Nadine est d'origine congolaise. Je suis née à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai fait toute ma scolarité à Kinshasa. Après le bac, je fais le journalisme. Je suis journaliste formée. Donc, c'est vraiment un parcours qui passe de coq à l'âne, quoi. Il n'y a pas de lien logique entre tout ce que je fais. Donc, je suis journaliste formée à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de communication de Kinshasa. Après, nous, on appelle ça le graduat
C'est l'équivalence d'un bachelor, en fait. Après mon bachelor en journalisme, je suis venu en Europe dans l'idée d'y vivre, dans l'idée de refaire les études ici. Et arrivé en Europe, je suis arrivé à Paris, en région parisienne. Arrivé à Paris, le calcul que j'avais dans ma tête ne s'est pas reproduit comme je pouvais l'imaginer. C'est toujours Et comme ça. c'est toujours comme ça, effectivement. Et juste, je n'ai pas vécu longtemps à Paris, hein. J'ai vécu juste 10 mois. En tout et pour tout, j'ai vécu 10 mois à Paris. Et donc, en 10 mois, j'ai croisé celui qui devient mon mari, donc qui deviendra plus tard mon mari. En 10 mois, j'ai été fiancée. En 10 mois, j'ai été mariée. Et en 10 mois, je me suis retrouvée en Suisse. Il faut nous donner l'ancien. C'est vraiment moi. Chez moi, il y a beaucoup de choses qui viennent très facilement comme ça. Donc, en 10 mois, je suis arrivé en Suisse. Et les premières années de ma vie en Suisse, j'ai consacré à ma famille. J'ai 2 enfants, deux petites jumelles, 2 grandes jumelles. Elles ont eu 18 ans. Des jumelles. J'ai des jumelles. Je suis maniée. S'il y a des Camerounaises qui nous suivent, donc je suis une maniée, comme on dit au Cameroun. Donc, si je Et comprends donc, bien, ton mari est camerounais, en quelque non, sorte. même pas. Il est congolais d'origine comme moi. Alors, on a quand même le parcours, on a un peu le background d'où tu viens et comment tu es arrivé. Et maintenant, tu vis en Suisse, je pense. Je vis en Suisse. Je suis en Suisse romande, oui. Alors, Nadine, comment est-ce que tu as fait la rencontre avec la machine à coudre? Est-ce que quand tu étais plus petite, est-ce que tu avais des aspirations? Un peu comme notre invitée de la semaine passée, elle nous avait raconté que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait toujours rêvé d'être dans la mode, mais elle avait été découragée par une conseillère d'orientation. Et est-ce que chez toi, c'était le même cas plus jeune? Est-ce que tu avais déjà cet attachement à la mode? Est-ce que tu jouais avec les poupées, tu les habillais? Comment était ton enfance, en fait? Alors, j'ai eu une enfance classique, rien à voir avec la machine à coudre. J'ai eu une enfance classique comme toute en petite fillette. Comme toute fillette, j'ai eu de temps en temps des poupées, des Barbie. Enfin, à mon époque, ça existait déjà. Les Congolaises qui nous suivent, j'ai eu aussi les Banabi Tendi. C'est des petites poupées en tissu. On appelait ça Banaki Tendi. J'ai eu aussi, donc c'était vraiment une enfance classique, rien à voir avec la couture. Même si ma mère avait eu une machine à coudre à ses 18 ans. Son père lui avait offert une machine à coudre qui n'était même pas à la maison chez nous. Elle avait prêté à une tante, mais sans plus, en fait, sans plus. Quand j'ai eu autour de... J'avais déjà eu le bac, autour de 19-20 ans, ma mère a récupéré sa machine à coudre. J'ai eu fait une jupe pour ma petite sœur, je crois, et une blouse pour moi. Enfin, je sais plus, mais... Deux choses, en tout cas, en tout et pour tout, deux choses, quoi. J'ai vraiment pas touché plus que ça à la machine à coudre. Mais avec un peu de recul, une fois quand j'étais en Europe, ma mère m'envoyait toujours des habits en wax. Et chaque fois, je critiquais. Je disais chaque fois, mais ça, c'est pas bien fait, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Pourquoi la doublure est comme ça? J'avais toujours un mot Un mot à à dire. dire. J'avais toujours un mot à dire, mais sans plus, en fait, sans plus. Donc, ta maman avait reçu une machine à coudre de ton grand-père qu'elle-même, elle n'utilisait pas. Même pas. Et elle avait donné à sa cousine, en fait. Oui, à sa cousine. Et tu as dit que tu l'avais utilisé 2 fois pour réaliser des projets. Oui, une jupe droite, mais une jupe droite, j'ai pris une jupe que j'avais. J'ai regardé un peu comment c'était coupé, j'ai regardé, mesuré un peu les pinces, ça allait jusqu'où, la fermeture, comment elle était, mais je me suis vraiment basée sur cette jupe, Ce en que tu fait, qui avais m'a en main, servi, oui. Tu exactement, as qui juste m'a servi de reproduit ce que tu patron. avais en main. Exactement. Et je reproduis le modèle, tout simplement. Pour moi, c'était une évidence, en fait. Peut-être pour les autres personnes, c'était, mais comment elle arrive? Pour moi, c'était une évidence. Mais oui, c'est droit, mais oui, voilà, quand on arrive au niveau des hanches, pour moi, c'était une évidence, quoi. J'ai mesuré, je regardais. Et je reproduis, sans beaucoup de difficultés d'ailleurs. Et maintenant, alors, on va dire que
tu as quitté comme ça du Congo, il y avait rien, tu n'avais rien à voir avec la machine à coudre. Comment est-ce que arrivé ici en Europe, comment se passe le contact? Parce que là maintenant, tu es déjà une couturière. Comment est-ce que tout s'est déclenché en fait? Où s'est Alors, trouvé le déclic? quand j'arrive en Europe, en Suisse en tout Oui. cas, quand j'arrive en Suisse, comme Ensuite, j'ai oui. dit, les 2 premières années, c'était vraiment mes enfants. J'ai élevé mes enfants et après, j'ai commencé à regarder sur un projet professionnel. Et j'ai repris les études en Suisse. J'ai fait le bachelor en travail social. J'ai un travail. Je suis assistante sociale. Je travaille comme assistante sociale. Encore rien à voir avec et le journalisme et la culture future, mais là, je suis très bien dans mon métier. C'est un métier que j'aime. Jusqu'à un jour où je veux faire les courses. Je veux faire les courses et je tombe sur une promotion de machine à coudre. Pour moi, machine à coudre, pourquoi pas? Je me disais, c'est quelque chose qu'on doit avoir à la maison. Oui. Je me disais, j'essaie d'enfiler une machine, je l'ai déjà fait. C'est quelque chose qu'on doit avoir à la maison. Et au prix que j'avais vu, je me suis dit, mais même si je fais une fois en passant un ourlet, c'est déjà ça, quoi. Je ne perds rien à ce prix-là. Alors, j'ai pris une machine à coudre, j'ai pris une surjeteuse avec. Je reviens de la maison avec des grands paquets. Mon mari qui me regarde dit, mais qu'est-ce que tu as acheté encore? Encore. Je lui dis, c'est une machine à coudre et une surjeteuse. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que c'était en promotion. Il me dit, mais on achète parce que c'est en promo. Il ne voyait pas le Ça, lien. Mais il n'y avait pas de c'est lien. nous Effectivement, il n'y avait même pas de lien. Pour moi, je me suis dit, les femmes. à ce prix-là, je prends. Oui. Et j'arrive avec les machines à coudre à la maison, je les pose. J'ai dit à mes filles, je vais m'acheter des tissus et puis je vais voir, dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous et puis je ferai. Et puis les deux filles, elles voulaient des top bardo, tissus Pardon. bardo on appelle, c'est top Pardon, avec oui, un avec volant. oui. Alors, je me suis dit, mais mon Dieu, vous ne pouvez pas choisir plus facile parce qu'un top bardo, je ne savais pas comment m'y faire. Mais en même temps, elles avaient aussi des top bardo à la maison. Je me suis dit, bah, alors, je vais m'inspirer des modèles des tops que vous avez. Je vais voir comment c'est coupé, comment ils ont mis le volant, etc. Voilà. Alors, je me suis inspirée de ce modèle-là. J'ai coupé, j'ai cousu tout naturellement et j'ai réussi. Ne me demandez pas comment. J'ai réussi. Et c'était ça, en fait, le premier vrai contact avec la machine à coudre. Finalement, je l'ai fait en Suisse où j'ai vraiment acheté des tissus. J'ai commencé à faire de la couture à la maison, en fait. C'était comme ça. Et comme j'avais le temps, en fait, j'avais aussi beaucoup de temps à la maison en cette période-là. Vous savez, de temps en temps dans la vie, la vie, c'est comme, je dis toujours, la vie, c'est comme l'autoroute, en fait. L'autoroute, on est à vive allure, 120, 130 à l'heure. À un moment donné, il faut faire stop. Il faut juste faire stop, faire pause. Et puis, c'est ce qui m'est arrivé, quoi, dans mon parcours. À un moment donné, j'ai eu besoin de faire une pause. Et j'ai fait cette pause-là. Et pendant cette pause-là, j'avais vraiment du temps à disposition. Et c'est là que j'ai vraiment accéléré, au fait. Parce que je faisais presque pas presque, tous les jours, je faisais Un par projet. semaine, j'avais un projet. Mais alors, par semaine, j'arrivais à faire 3, 4 vêtements par semaine. Donc, j'étais vraiment à fond À dedans. fond. Voilà. Et je suis que tu apprenais vite parce que chaque jour comme ça, là, tu deviens plus rapide, tu t'améliores beaucoup plus vite et tout ça. Et tu cousais quel projet? C'était, tu cousais tes vêtements ou alors? Alors, jusque-là, je faisais que pour mes enfants, en fait. Jusque-là, j'ai fait pour les enfants. Et à un moment donné, j'ai vu que ça plaisait beaucoup. Et au départ, j'étais pas sur le wax, hein. J'étais sur du lin surtout. J'ai beaucoup utilisé lin, c'est une matière que j'aime beaucoup. Plusieurs autres métiers, pardon, tissus, sauf le wax, en fait. Et à un moment, Ok, donc tu cousais avec tous les autres tissus, ouais, sauf le tissu wax. sauf le wax. Et à un moment donné, je commençais à faire pour offrir, en fait. J'avais une amie qui avait le baptême de sa fille, qui avait une année. Alors j'ai fait une robe. J'ai offert pour le baptême, pour le baptême de sa fille, j'ai offert une robe. Elle a beaucoup aimé. Et j'ai vu que finalement, les habits pour enfants étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus. La réalisation était beaucoup plus courte. Parce que pour un adulte, pour un enfant, tac, 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 on vite fait les On a robes terminé. trapèzes. Vite fait, en 2 heures, je finis la robe trapèze, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, ça, c'est bon. Et là, j'ai commencé. Alors là, j'étais vraiment au taquet.
Je faisais les robes, j'envoyais partout, j'offrais en fait. Parce que pour là, je me disais, qui va s'intéresser? Mais en même temps, au fur et à mesure que je faisais, Tu je prenais voyais du que ça plaisir quand même à plaisait. le faire. Voilà, j'avais du plaisir à le faire. Et comme je ne pouvais pas garder pour moi les habits pour enfants, moi, mes enfants, à l'époque, quand j'ai commencé, elles avaient 13 ans. Moi, j'étais déjà grande. Donc, j'étais très inspirée par les habits de fillettes. Alors, du coup, je faisais et j'offrais. OK. C'était parti Et comme jusqu'à ça. quel moment tu as continué à faire cela? Alors, j'ai fait ça. Toute une année, j'ai fait que ça, les habits pour enfants. Après, tout ce que je faisais, je publiais sur mon WhatsApp. Les gens qui avaient mon numéro WhatsApp, tous les gens me demandaient où est-ce que tu as trouvé, où est-ce que tu as fait ça, où est-ce que tu as fait ça. Et à un moment donné, tellement que j'offrais beaucoup des habits que je faisais Des moi, enfants. je me suis dit, mais ça coûte cher le tissu. En plus, en Suisse, le mètre de lin, tu l'as 30 euros, hein, le mètre. Donc, c'était Le vraiment. mètre. Ouais. Le lin, quand même, c'est cher, mais c'est waouh. Oui. 30 euros de À un mètre moment là, ça. donné, je me suis dit, et si je me tournais vers le wax? Parce que pour moi, le wax, c'était meilleur marché. J'avais beaucoup de mètres et je pouvais Oui. faire encore plus de choses. Plus de choses. Donc, c'est là que je me suis tournée vers le wax. J'ai commencé à acheter wax. J'ai commencé à faire des habits en wax. Jusqu'à une fois, je me suis lancée un challenge avec mes enfants. Elles devaient faire un camp scolaire. C'était un camp scolaire pas obligatoire parce qu'il était très cher. Et du coup, il fallait s'inscrire et les deux ont été retenus pour faire ce camp-là. Je me suis dit, OK. Et ce camp-là, je leur dis, le challenge, c'est que j'aimerais financer plus que la moitié de votre camp avec la recette de la couture. Ils m'ont dit, mais maman, je me suis dit, ça, c'est un challenge que je m'élance. Alors, j'ai fait une pub sur mon WhatsApp. Les voisins, les voisines qui regardaient mon WhatsApp, les voisines ont commencé À commander. à commander. Une voisine, si vous regardez sur ma page Instagram, vous verrez souvent un bébé suisse avec du Oui, wax. j'ai regardé, j'ai vu des j'ai dit, mais et ça, je savais pas, hein. C'est l'autre jour que j'ai regardé, j'ai dit, ah, elle fait aussi des choses pour des bébés et tout ça. Oui, c'est vraiment ça que Personnalisé. oui, c'est vraiment là qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup fait pour les bébés. Et alors, les voisines commençaient à faire, j'ai lancé vraiment le challenge comme ça. J'ai commencé à faire et effectivement, j'ai réussi mon pari. J'ai financé plus que la moitié du camp scolaire parce qu'on avait, je pense, 6 mois pour préparer le camp. Pour préparer le Donc, en camp. 6 mois, j'ai réuni un montant pour que mes filles partent en ce camp qui était organisé en France, au sud de la France. Donc, elles sont parties. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, mais ça plaît. Jusqu'à ce que je commence à avoir des gens qui m'ont fait confiance, qui sont venus passer commande. Ça veut dire que ça plaît. Et je me suis dit, mais alors, pourquoi pas finalement continuer sur cette lancée-là, puisque j'ai déjà eu quelques commandes, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai vraiment ouvert à tout public et c'est là que je me suis lancée, d'abord sur les vêtements. Les vêtements enfants. Et tu as fait ça pendant combien de temps? En tout et pour tout, là, j'arrive à la 5e année de couture. Les habits, les vêtements, j'ai fait les 2 premières années. Les deux premières années, j'ai fait que les habits, en fait. Je fais Et que tu faisais les habits. seulement les habits pour enfants ou alors tu faisais aussi pour grands? Les grands ne commandaient pas? Alors, Les grandes après, personnes. les grandes personnes ont commencé à me commander. Pour les grandes personnes, j'ai commencé par. C'était une voisine aussi qui déménageait. Elle a vu tout ce que je publiais sur ma story. Elle me dit, écoute, moi, je pars, mais je vais pas. Je sais que je vais pas. Elle était malade, en fait. Elle me dit, je sais que je vais plus utiliser ma machine ni mes tissus. Si tu veux, tu viens chercher les tissus. Je me suis dit, ah ouais, chouette, je pourrais faire des jolies choses pour mes enfants. Je me suis dit, mais pourquoi tu parles seulement des enfants? Tu peux faire aussi pour toi. Alors, elle m'a Dans lancé un tout ça, challenge. dans tout ça, toutes les fois où tu faisais ta couture, tu n'avais jamais Pas pensé à imaginé. réaliser quelque chose pour toi. Et tu, Pas pourquoi imaginé. C'était pas? vraiment pour les autres, mais moi, limite, je m'oubliais, quoi. Et donc, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas? Alors, j'ai fait une robe. Une robe, parce que c'était vraiment un challenge pour moi aussi. Hein. Elle m'a dit, écoute, fais une robe, une jolie robe, fais une photo, tu m'envoies, même si je ne vais plus habiter le quartier, mais j'aimerais voir comment tu vas utiliser les tissus. Alors, pari réussi, j'ai fait même 2 robes pour moi. Je lui ai envoyé la photo et j'avais aussi réussi en fait. Jusque-là, j'avais presque jamais eu en 3 ans, les premières années quand j'étais dans les habits, jusque-là, j'avais même pas eu d'échec en fait, jusque-là. J'avais une inspiration, je coupais, je confectionnais et la plupart du temps, je réussissais.
Chapeau, hein? C'est ça. Et Wow. merci. Et comme j'avais eu l'habitude d'aller dans le magasin, j'ai une dame suissesse qui a une boutique de wax. Alors j'avais eu l'habitude d'aller acheter chez elle et elle commençait une fois à me dire, mais j'aimerais bien voir ce que vous faites parce que vous en Ce que tu achetez fais. tellement. Elle était curieuse de voir, mais qu'est-ce que tu fais avec ce tissu? Exactement. Et donc du coup, elle me dit, oh, mais si tu es intéressée, tu peux faire exposer chez moi. Je me suis dit, ah oui, pourquoi pas? Alors j'ai fait Ça, quelques c'est cette habits que j'ai opportunité. exposés, que j'ai exposés chez elle. Et puis elle était contente. Chaque fois que les gens demandaient, elle donnait mon numéro. J'avais des cartes que... Oh, je ne l'ai pas à côté. J'avais des cartes que j'avais laissées chez elle. Je me suis dit, bon, avec un numéro de téléphone, je dis, pourquoi pas? Et une fois, une dame qui m'appelle, elle me dit, oui, j'ai eu votre numéro à la boutique de tissus. J'aimerais confectionner un... C'était une sorte de blazer, mais blazer... ça faisait un peu kimono comme ça, avec des manches kimono. Je me suis dit, bah écoutez, venez, je vais voir, mais moi, je ne suis pas couturière. Elle me dit, oui, mais la dame a dit que vous faites de très belles choses, alors j'aimerais bien ce blazer-là. Je me suis dit, OK. Elle est venue à la maison. J'ai regardé un peu plus ou moins ce qu'elle voulait. Je regardais, je me suis dit, bon, OK, je vais essayer de trouver des patrons. J'ai essayé de trouver des patrons sur Internet. J'ai trouvé plus ou moins le patron. Je me suis dit, bon, je suis parti sur un patron existant. J'ai modifié un peu en fonction de ce qu'elle voulait. Et puis, j'ai cousu. Après, à partir de là, j'ai commencé à dire à toutes les personnes qui arrivaient chez moi, je disais, je ne suis pas couturière, qu'on se mette d'accord. Si je gâte votre tissu, je vous rembourse l'argent, on se sépare en bons termes. Ça, c'est une couturière, ça. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Est-ce que vous entendez? Elle dit, à la dame, il n'y a pas de souci, mais si je garde votre tissu, je vous remets juste le tissu, je suis responsable de rien. J'ai été honnête, hein? Ça, c'est vraiment courageuse. Oui, Tu es courageuse, hein? parce que Waouh! je voulais pas être malhonnête en même temps. Moi, j'avais déjà pas confiance en moi dans le domaine de la couture et je voulais pas entraîner les autres là-dedans. Les gens me faisaient confiance, ok, au moins les bases étaient posées, je partais sur cette base-là. Alors la dame était d'accord, elle est venue avec son compagnon, j'ai pris des mesures, j'ai regardé en fonction des patrons que j'avais, j'ai cousu, je pense, en 2, 3 jours, je lui ai fait un WhatsApp pour dire, voilà, c'est fait. Elle est venue, elle a essayé, elle était tellement contente, et c'est là qu'elle me dit, ça sera pour mon mariage civil. Je me suis dit, heureusement que vous me le dites à la fin. Après, oui. Si vous me l'avez dit au départ, j'aurais même pas accepté. Et donc, Wow. elle a eu son blazer, elle est partie. Et le modèle était tellement joli que j'en ai fait pour moi-même aussi. J'ai acheté un wax bleu, mais très joli. J'ai fait pour moi. Et tout le monde aimait tellement ce wax. Une fois, une dame me dit, mais moi, je veux ce wax. En plus, le wax. Et le tissu choisi, c'est juste merveilleux. Je veux le même. Je dis, mais ce tissu, je ne l'ai plus. Elle me dit, c'est pas grave. Moi, j'achète celui que vous, le blazer que vous portez. Elle a acheté directement. C'était sur moi. C'était J'ai sur toi. Elle vendu. a dit, moi, je veux ça. Je veux Je rien veux d'autre. ça. J'ai donné. Elle a acheté un blazer que j'avais déjà fait. C'était la première fois que je portais. Mais j'ai vendu un habit que je portais. Et j'ai même après reproduit une fois encore pour moi et deux, trois personnes ont recommandé ce même modèle. C'était vraiment le modèle phare à l'époque quand j'ai commencé, quoi. C'est vraiment le modèle phare qui a beaucoup plu. Et puis, j'ai donné, enfin, j'en ai fait plusieurs. Donc voilà, c'est Seconde. vraiment comme ça que je me suis mise dans cette Une voie, en aventure fait, pour les d'investissement. adultes. Il y a souvent une question que je demande toujours à mes abonnés, ceux qui me connaissent quand je suis en contact avec eux. Comment est-ce que toi, tu m'as découvert? Alors justement, je t'ai découvert quand je devais faire ce blazer-là, parce que je ne savais pas. Mais attendez, je n'ai jamais fait une chemise à leur blazer. Pour moi, c'était juste Justement, une parce soirée que là, c'est aussi. un projet de ouf. De ouf. Alors j'ai commencé à chercher sur Internet, sur des tutos, je regardais un peu partout. En tout cas, ça m'a pris 2, 3 jours que pour ça, quoi, pour chercher comment faire. Et je suis tombée, mais je ne pourrais plus te dire sur quelle vidéo. Où tu expliquais aussi très bien comment tu fais les choses. Je t'ai même mis un mot dans le commentaire. J'ai dit, mais en fait, est-ce que tu sais faire un blazer, etc. Tu m'as dit, non, je ne sais pas.
Je me suis dit, mais zut, elle veut juste pas me renseigner, quoi. C'est sûr qu'elle sait, mais elle veut pas. Voilà, honnêtement, je ne sais pas, je dis je ne sais pas, parce que je reçois souvent les messages des abonnés, Hiro, s'il te plaît, elles envoient la photo, elles. Les modèles compliqués, compliqués, je dis, ma petite, ça là, je ne connais pas. Si peut-être je connais des tutoriels, qui a des tutoriels, je t'envoie les liens, je dis, va regarder cette youtubeuse. Moi, personnellement, je n'ai pas encore appris ça, donc je ne connais pas. On s'est vraiment bien d'être honnête dans la vie, donc je pense que je ne connaissais pas encore, parce que j'ai une vidéo sur le blazer, après j'avais appris, et c'était suite à des demandes. Je suis aussi allée chercher, étudier, apprendre et puis voilà, faire aussi un tutoriel là-dessus. Je pense que quand j'étais Exactement. arrivée, je ne connaissais pas encore. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai vu Oui. plusieurs vidéos que tu avais faites. Pour moi, tu étais une professionnelle. Je dis, waouh, elle est vraiment là-dedans, elle fait des choses chouettes. Tu vois, et j'ai regardé plusieurs de tes vidéos. Je me suis dit, mais waouh, quoi. Et moi, petite couturière que j'avais avec ce manque de confiance en moi, tout ce que je voyais, tout ce que tu faisais pour moi, waouh, c'était vraiment en admiration. C'était vraiment en admiration, quoi, que je regardais tout ce que tu faisais. Tu vois? Et les explications light, j'ai envie de dire, quoi. C'était vraiment des explications faciles à comprendre et light, mais pour tout débutant, c'était aussi Ça passe enrichissant. avec le langage terre à terre. Pas compliqué. Vraiment chapeau, hein. Il y a Farid Amadi là qui dit chapeau, madame. Vraiment chapeau. Merci. Vraiment, vraiment, à ce stade-là, et vraiment chapeau. OK. Je vois Moi, dans les je te commentaires, il y connais. a, dans les commentaires, je vois, il y a une personne, Logam. Ah ben oui, ça ne peut être que ma soeur, Logam, ça doit être C'est ma ta soeur. sœur, Elle me dit de Nadimage à Boebel. Nadimage, les gens qui m'ont connu en tant que journaliste, j'utilisais le nom Nadimage parce que j'avais du matériel pour faire tout ce qui était montage, vidéo, reportage. J'avais tout le matériel, en fait. Et j'avais donné ce nom-là, Nadimage. Donc, quand je vois de Nadimage à ça Boebel, veut dire donc que c'est cette vraiment personne quelqu'un te connaît vraiment bien. qui me connaît très bien. Oui. Vraiment, bravo, hein. Bravo, Merci. bravo, bravo. Moi, je t'ai connue sur Père de Rat. Pour ceux qui ne savent pas, Père de Rat, c'est mon groupe de couture. Quand je venais de me lancer sur YouTube, j'avais créé un groupe de couture pour que les gens puissent partager leurs créations. Mais à chaque fois, il y avait toujours des pépites là-bas parce que les gens atterrissaient là-bas avec leurs créations. Je disais, mince. Celle-ci sort encore d'eau. Et ce qui m'avait marqué avec les créations de Nadine, c'était les sacs. Elle publiait souvent des sacs avec la marque Beau et Belle. Donc, Nadine, tu as commencé par les vêtements des enfants. Après, tu es allée dans les vêtements des grandes personnes. À quel moment tu te retrouves dans les sacs? Parce que moi, je te connais pour les sacs. À quel moment tu te retrouves? Voilà, les sacs. Et aussi, j'aimerais que tu nous expliques la marque Beau et Belle, parce que c'est. J'aime trop cette marque. La prononciation, le nom. Et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu arrives au sac? Parce que là, maintenant, tu es beaucoup plus connu par les sacs, si je ne me trompe pas. Moi, je t'ai connu Oui, comme ça, en tout cas. je fais plus de sacs que de vêtements depuis 2 ans maintenant. C'est vrai que les sacs, c'est un collègue, une collègue à moi qui voulait tout. Chaque fois, elle me demandait des sacs. Elle me demandait un sac et moi, je lui disais, mais le sac, déjà, les habits, je ne maîtrise pas. Selon moi. Pour moi, je me trouvais toujours tellement petite, quoi. Je disais, mais les habits, déjà, je ne maîtrise pas. Mais je commençais comment pour arriver à un sac? Pour moi, c'était juste utopique, quoi. Je me disais, mais non, je n'arriverai pas. Et une fois au travail, on était en train de manger à la cafette et je vois arriver une collègue avec son lunch. Enfin, ce n'était même pas un lunch bag. C'était un, nous on appelle ça cornet. Comment, enfin, un sachet. Des fois, je dois réfléchir pour pas parler suisse. Oui, Un hein? sachet de De course, en sac fait. de course, oui, les Le sacs sac de de course course. là, oui. Alors, elle vient avec, je dis, mais j'étais là, j'étais en train de regarder son sac. Et puis, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon sac? Je dis, mais ton sac m'inspire, m'inspire. La mère de 4K, c'est Julie Photo, une petite amie aussi que je salue. Et puis, je me dis, mais ce sac m'inspire. Elle me dit, mais je peux te le donner, parce que moi, pour moi, pour elle, elle me disait, c'est un sac à 2 balles. Je te le donne si tu veux. Alors, j'ai pris ce sac, je l'ai amené à la maison, je l'ai décousu. Je l'ai décousu. J'ai essayé de refaire, mais il fallait trouver le renfort parce qu'un sac en tissu sans rien, ça ne tient pas. Ça ne tient Il pas. fallait trouver un renfort. Alors j'ai fait plusieurs différents types de renfort pour arriver à celui que j'utilise maintenant, en fait. Alors je suis passé par plusieurs essais.
J'ai mis de côté quelques créations pour vous montrer un peu. Ça, c'était parmi les premiers sacs que j'avais faits. Mais toi, tu es forte, hein? Premier sac. Est-ce que vous Oui. voyez ça, les filles? Wow! Donc, c'était ça. Et mon challenge, c'était toujours travailler avec du cuir. OK. À la base, je suis une fan des sacs à main. Alors, quand je l'ai fait moi, ça doit être du beau. Du bon, Si oui, ça doit pas être bon, belle, ça doit être bon, du oui. beau. Et du coup, pour moi, c'était hors de question de faire avec autre que le cuir véritable. Donc, il fallait déjà trouver le cuir véritable. Je ne savais pas où en trouver au départ. Il fallait créer vraiment un réseau, trouver le cuir véritable, trouver le renfort pour que le sac tienne. Donc, Mais c'était ça. le premier sac que tu avais fait à ta copine, est-ce qu'il était comme ça? Non, parce que jusque-là, je n'avais pas encore fait pour elle. Jusque-là, j'ai fait pour moi. J'ai fait des essais pour moi. Ah, ok, oui, tu as fait des essais pour toi. Et Oui. tu associais toujours du cuir dès le début, en fait. Dès le départ. Dès le départ. Wow! J'ai Ok. associé le cuir. Et Et tu donc. associais le cuir et tu faisais également la broderie qui est là avec ta marque, direct, ou bien c'était juste. Oui. Parce que quand j'ai commencé à faire, déjà quand j'ai commencé à faire les habits à grande échelle, Oui, à grande j'ai échelle, remarqué. il fallait Oui. déjà trouver une marque parce que je voulais que, bah, comme on va, quand on va chez H&M, il y a quand même une marque qui est posée. Je voulais quand même faire les choses très bien. Très bien. Alors du coup, la première marque, j'étais pas encore sur YouTube, enfin sur Internet, le premier nom qui m'est venu à la tête, c'était So et C. Les syllabes des prénoms de mes filles, Solène et Ségolène. J'ai mis So et C. Mais en C'est. même temps, je me disais, ouais, ça ne me sonne pas du tout très bien, So et C. Ça ne tient pas très bien la route. Et après, je me suis dit, mais bon, pourquoi pas beau et belle? C'est venu tout de suite, hein, tac. Parce qu'à la base, beau vient du nom de mon grand-père et ma mère, en fait. Le fameux qui avait offert la machine à La coudre. machine à coudre, attends, ok. Il s'appelait Bo Sukisa. Bo Sukisa, ça veut Bosukisa. dire arrêtez-vous là, en lingala. Enfin, si je dois le traduire en français, ça veut dire arrêtez. Tu donnes l'ordre, arrêtez. C'est ça, Bo Ok. Sukisa. Il s'appelait Bo Bosukisa. Sukisa. Et puis, Bosukisa. son deuxième nom, parce qu'au Congo, on a toujours un premier nom, un post-nom et un prénom. Donc, son deuxième nom, c'était Ebel, tout simplement. Ebel. Et belle. Je me suis dit, mais finalement, je suis d'une famille où moi, j'aime tout ce qui est manuel. Je suis très manuel. Je fais beaucoup de choses avec les mains. Si je vous dis tout ce que j'ai fait en dehors de la couture, vous serez étonnés. La peinture au mur, tout ça, je fais. Je suis bricoleuse, mais vraiment. Artiste. J'ai ma sœur Gaëlle, elle a même fait les beaux-arts. Elle fait les tableaux. Elle donne des cours de tableaux. J'ai mon frère, à l'époque, quand il était petit, malheureusement, on n'a pas exploité ce talent-là. Mon petit frère, lui, il faisait des portraits. Il n'avait même pas 10 ans, il faisait des portraits, Mais quoi. c'est une famille d'artistes. Exactement. Ma mère est C'est rentrée du travail, enfouie dans son sac, il y avait des dessins. Non. Pour moi, je disais, c'est vraiment un héritage de mon grand-père. Alors, Beau et Belle, c'était vraiment un clin d'œil à mon grand-père. Beau, comme Beau Sukisa, et Belle. Et il fallait juste trouver une formulation, une façon d'écrire qui attire, qui accroche, en fait. Et ça, c'est un peu aussi les restes de communication que je fais. N'oublions pas que je suis quand même journaliste à la base. Il Oui, fallait quand justement. même, il fallait quand même trouver, Le exactement, il fallait quand background même trouver un nom qui accroche. Et là, pan, c'était Beau et Belle. Au départ, là. ma sœur, qui est celle qui fait celle qui a fait le Beaux-Arts, je l'ai souvent embêtée. Je dis, mais trouve-moi un logo. Parce que je voulais mettre en évidence le E avec l'accent circonflexe. Pour moi, c'était ça. Je Ça ou dis, rien. ça ou rien. Même si je fais rien à côté, mais quand on voit le E avec accent circonflexe, on voit que c'est moi. Et finalement, une fois au travail, hein, parce que là, je suis toujours assistante sociale, je travaille toujours comme assistante sociale. Et une fois au travail, pendant un colloque, j'ai eu une inspiration. Vraiment pendant un colloque, moi, je dessinais. Et j'arrive à ça. Et j'arrive à ce logo-là. Ce Et c'est logo-là, en quoi? fait, c'est juste deux B symétriques. Le premier B, le deuxième B, qui sont juste symétriques, et le E au milieu. Le E qui Chapeau, c'est relie maintenant deux que je B. vois le E renversé comme ça.
Pour relier les deux B. Waouh! Non, depuis là, je n'avais pas vu. J'ai dit, mais non, chapeau. Applaudissements pour Nadine. Respect. Respect. Waouh! Les gens qui m'ont connu sur Instagram, avant, ce logo-là, je l'ai depuis très peu. Avant, j'avais un autre logo, mais j'ai essayé de créer sur des logiciels qu'on trouve sur Internet. En même temps, c'est L'ancien pas. logo, je le connais. Voilà. Je ne l'avais pas acheté, en fait. J'avais bricolé comme ça sur un site Internet. Comme je ne l'avais pas acheté, je me disais, mais si un jour je deviens très grand, on peut me réclamer que j'ai finalement piqué, quoi, parce que je ne l'avais pas acheté sur leur site Internet. Alors, ça me trottait chaque fois à l'esprit. C'est pour ça que je suis arrivé à moi-même créer. Personne ne me dira que tu as pris notre logo parce que je Non, l'ai créé franchement, tu es moi. créatif, c'est chapeau, les deux Bella et le E. J'avais même pas vu la relation avec. J'ai dit, mais comment? J'ai Waouh! même sur Instagram, non, sur Internet, j'ai trouvé des gens qui pouvaient, des créateurs de logos aux États-Unis. J'ai même payé. Je leur ai dit, faites-moi un logo. Ils m'ont fait un logo. Je dis, mais ça, c'est Balenciaga. Balenciaga, la marque, il y a deux B comme ça inversé. De Je dis, mais non, ça, c'est un logo qui existe. Vous n'allez pas me donner ce oui. logo-là. Il existe. Je me suis dit, non. Alors, Nadine, si tu ne veux pas avoir des problèmes un jour, crée ton propre logo selon ton idée, tes idées à toi. Et donc, voilà, Franchement, je je suis le respecte arrivé. parce que moi, j'ai déjà essayé de donner de travail, payer même, faites-moi un logo, quelque chose d'original, mais à chaque fois, tu vois, tu sens que non, c'est pas C'est pas ça. ça. C'est C'est pas pas ça. ça. C'est ça. Franchement, chapeau. Alors, donc, Et voilà. j'aimerais te demander une question. Et ton grand-père, à la base, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Parce que, Donc, mon à grand-père. te voir là, tu es vraiment très artistique. Bon, alors mon grand-père, lui, il faisait tout ce qui était bijoux, œuvres d'art en ivoire. À l'époque, on pouvait encore commercialiser. Il vivait de ça, c'était son job. Il y a même encore mes sœurs, elles ont encore maintenant des bijoux de mon grand-père en ivoire que lui, il avait fait. Il y avait des colliers, des pendentifs en ivoire, il y avait des statuettes, enfin, vraiment l'œuvre, beaucoup d'œuvres d'art, en fait. C'était un commerçant d'œuvres d'art, c'est lui qui les faisait. Dans la région d'où ils sont originaires, c'est vraiment une région connue pour ça, en fait. Et lui, c'était vraiment, il était à plein dedans. Il a vécu avec ça. Il a très bien Il vivait vécu, de mon ça, en grand-père. fait. C'était son métier, quoi. C'était son métier. C'était son métier. Donc, c'était vraiment un artiste dans l'âme, mon grand-père. Ça, Voilà. alors. Et tu vois, et je pense que même toi, étant petite, tu ne savais même pas que tu es artiste comme ça. Non. Et on est souvent là, on se balade avec les talents. Nous, on ne sait même pas. On se retrouve à gauche et à droite. Et on se dit, mais pourquoi on est attiré par les métiers qui sont manuels et tout et tout? Waouh! Franchement, chapeau. Alors, tu nous Et as donc, expliqué. par rapport au sac, pour revenir Au au sac, sac, j'ai fait oui. des essais. Donc, quand vous voyez ce modèle-là et celui-là, c'est le même modèle, mais celui-là est beaucoup plus travaillé. C'est trop beau. Waouh. Et à l'époque, je voulais, mais vraiment, ça, pour moi, c'était moi, quoi. Ça représentait beau et belle. C'est juste deux cordons qui pendent d'un côté comme de l'autre. Ok, tu peux un peu rapprocher au niveau de la caméra pour Donc, il y avait montrer un juste peu comme plus. ça, un petit Et ça, rappel c'est de le cuir, cuir. oui. Ça, c'est le cuir. Et ça pend comme ça de côté. Et la forme, en fait, c'est surtout cette forme-là qui m'a beaucoup intéressée au départ, avec le mini pompon. Le mini pompon aussi en cuir. Voilà. Wow, Et c'est la forme vraiment sur en magnifique. cuir. À l'époque, je n'avais pas de brodeuse, donc chaque fois que j'avais une commande, il fallait courir, donner le cuir à broder. En plus, la maison où je brodais, tu peux déposer ton cuir là, tu attends 2 semaines, quoi. Entre-temps, il y a des gens qui attendent. Moi, quand on me commande, au départ, mon délai, c'est 3 jours, quoi. Et là, il fallait attendre 2 semaines qu'on me brode, qu'on me fasse. Je me suis dit, Et Nadine. par rapport à ta collègue là qui dit, parce que c'est elle qui avait commencé, je pense que c'est elle qui a été l'élément déclencheur. Tout à Moi, fait. j'aimerais que tu nous racontes vraiment le processus parce que tu as fait un premier sac. Et Oui. quand tu, bon, avant que tu ne fasses un premier sac pour elle, tu as d'abord fait des essais, en fait. Oui, j'ai fait Et c'est au plusieurs centième essais. sac que tu... Et quand je suis arrivée à celui-là, je me suis dit, ça y est, maintenant, j'ai le truc. Et j'ai montré à ma collègue, elle m'a commandé, au départ, elle m'avait commandé deux sacs en même temps.
mais de deux formats différents. Alors, je lui ai fait ce modèle, mais avec comment, un morceau de cuir qui venait par devant, là, pour fermer. Donc, je lui ai fait ce modèle-là, avec un autre qu'elle voulait, un cabas carré. Le fameux modèle, je ne vais pas faire leur pub ici, ils sont déjà assez d'argent comme ça. Donc, alors j'ai fait ce modèle-là, j'ai essayé, et puis elle a beaucoup aimé. Et c'est là que je me suis dit, je tiens le truc. Et au fur et à mesure que je faisais, à un moment donné, je me suis dit, Nadine, tu dois chaque fois attendre sur les autres pour la broderie. Ça va me mettre en stress parce que les commandes vont se cumuler et j'aurai du retard à livrer. Autant investir dans une Investir sur un brodeuse. modèle. En sachant que quand j'avais commencé avec les machines que j'avais achetées dans les C'était commerces, ces machines-là, la machine à coudre a tenu 18 mois. Je pense que en 18 mois, la machine à coudre avait l'expérience d'une machine de 20 ans, quoi. C'est ce que j'allais dire. Parce que tu l'as vraiment mis au travail. Mais à fond, elle avait une garantie de 3 ans. J'ai ramené la machine à coudre, ils m'ont donné de l'argent. Je me suis dit, alors maintenant, autant aller dans une machine solide. Parce que les sacs, il faut y aller. Il fallait quelque chose de très solide. De ça, sur les bruits. Voilà. Et donc, je me suis tournée vers. Ça, c'est mon premier bijou. Pardon. Je me suis tournée vers une machine semi-professionnelle qui supporte mais les épaisseurs, 8 couches. De tissu, ça y va, quoi. Ça Donc, j'ai ne blague commencé. pas là. Ah Ça, non, c'est ça autre blague chose. plus. Oui, OK. exactement. Et Donc, donc, après, tu as investi aussi également sur une brodeuse, en fait. une année après, j'ai investi dans une brodeuse, oui, effectivement. Parce que les deux ensemble, ça faisait quand même un coup. Donc, je n'étais pas prête à dépenser d'un seul coup comme ça. Et donc, je suis allée sur des machines vraiment solides. Voilà. Mais ce que j'ai fait en parallèle, pour ne pas fatiguer mes machines, j'ai toujours à côté des machines de dépannage, au fait. Vous voyez? J'ai toujours des. J'en ai deux comme ça. Oh, ça c'est une idée. Comme. Oui, parce que je me dis, cette machine, si je dois l'utiliser comme je l'utilise avec celle-là, celle de dépannage, chaque année, je dois l'amener pour l'entretien. Comme une voiture. Et comment tu gères alors, puisque tu as une machine de dépannage, si tu as un projet, comment tu gères? Tu cours un peu là-bas, après tu cours là-bas, ou ça se passe comment? Alors, la machine de dépannage, elle fait les points droits, elle fait zigzag et c'est tout. Après, j'ai plusieurs pieds de biche aussi que je peux utiliser pour d'autres choses. Mais cette machine, la grande, elle est quand même solide, quoi. Pour les sacs, je commence avec la petite machine, mais je finalise avec Je vois. le grand. OK. Mais Donc, les j'utilise petites très. tâches, tu les fais Oui. avec la machine de dépannage. Et là, il Oui. faut faire les finitions pour que tout soit propre. C'est une machine de dépannage. Ça m'a coûté le prix d'une machine de Lidl que j'avais avant, en fait. C'est une machine d'occasion. Je l'ai achetée 150 francs, c'est environ 150 euros d'occasion. Mais c'est une berline. Mais cette machine, même je l'appelle de dépannage, mais je fais presque tous les habits, tout ça, je Mais fais avec cette machine d'occasion. Mais quand j'en ai vu deux, j'ai pris les deux. Et les je me deux dis comme ça, je suis sûr qu'elles ne vont pas me lâcher. Parce que ma crainte avec une seule machine, c'était si je dois l'amener pour l'entretien comment ou ça pour une panne, c'est une belle astuce ça veut dire que je reste sans machine. Ça, c'est une belle Donc, astuce. Je n'y avais jamais pensé parce que quand ta machine est en panne, voilà, tu es coincé, quoi. Mais si voilà. tu as une de dépannage, là, Alors, celle de franchement. dépannage, moi, je conseille, si des personnes ne veulent pas mettre beaucoup d'argent pour une bonne machine, chercher des machines d'occasion, mais comme je vous dis, hein, celle-là, c'est une Bernina. Actuellement, en tout cas en Suisse, Bernina, c'est le top de top en machine à coudre. Donc, Bernina, il n'y a pas de concurrence quoi, avec les autres machines. Donc, pour 150 francs, pour moi, c'est un bel investissement. Et deux comme ça. Deuxième, c'est d'ailleurs mon chef qui me l'a vendu. Il était à la retraite, il voulait enfin, il vidait sa maison. Il me dit, mais Madame Consetoko, oups, j'ai dit mon nom de famille, j'aime pas. Voilà, il y a ma machine, si vous voulez une machine à coudre, je me suis dit, oui, il me l'a vendue. Donc, j'ai deux machines de dépannage, en fait. Vraiment, au moins, je sais que je ne serai jamais à court de Jamais à machine. courir. Même C'est si ça. l'autre, là, je prends l'autre.
Franchement, ça, c'est une très belle astuce. Je n'y avais jamais pensé. En tout cas, Oui. merci pour le partage. Et maintenant, comment est-ce que tu. Comment, combien de temps te prend, par exemple, une commande? Si quelqu'un commande un sac chez toi, ça te prend combien de temps pour réaliser la commande de la personne? Si je viens, je Alors, dis, Nadine, je veux un sac, tu me donnes combien de temps pour me le livrer, en fait? pour pas avoir si j'ai pas de liste d'attente ces jours-là, en une journée, je peux faire la machine, en fait. Pardon, le sac. En une journée, moi, je peux faire le sac. Sérieux? Wow. Ça veut dire que moi, je travaille. Donc, en dehors de la maison, je travaille de lundi à jeudi. Vendredi, c'est ma journée couture. Une personne qui, quand je reçois une commande, vendredi, ça sera pour faire la commande. Il y a des jours, il y a des Donc, périodes où il y a dans quand 15 même. jours de travail, tu as une journée qui est libre, en fait. Voilà. Où je Et suis c'est cette seule à la journée qui est ta maison, journée de couture. c'est ma journée de couture. Et il arrive que j'ai beaucoup de commandes en une fois, ça peut venir comme ça, hein, plusieurs commandes qui arrivent au même moment. En ce moment-là, dans la semaine, j'évite de faire dans la semaine parce que c'est quand même des semaines chargées. Mais Chargé, si je oui. peux avancer un tout petit peu, je fais déjà. Par exemple, pour tous mes sacs, il y a quand même une doublure, il y a enfin, l'intérieur du sac qui doit être fait. Je me dis, bon, je peux préparer déjà l'intérieur du sac qui doit être prêt. Mais le problème, c'est que je ne peux pas les commander à la. Je peux pas faire de l'intérieur du sac à l'avance sans commande, en fait. Parce que c'est chaque fois le client qui choisit le tissu. Et l'intérieur du sac, il y a un bout de tissu qu'on retrouve dedans, en fait. Donc, je ne peux pas, comme Donc, tu ça, ne peux pas faire lui. à l'avance, mettre en stock. Je ne peux pas. Donc, je préfère à la commande. Et puis, dans la semaine, en fin de journée, quand je reviens du travail, je peux commencer à faire l'intérieur du sac. L'avantage aussi que je travaille pas très loin de la maison. Mon travail, c'est à 20 Oh, minutes de la maison. ça. Et j'ai la chance d'avoir un horaire libre. Mon employeur m'oblige à faire 2 heures le matin, 2 heures après-midi. Après, c'est à moi de me débrouiller. Il veut à la fin de l'année que mes heures soient faites. Donc, je peux avoir des périodes de grandes commandes. Je m'arrange pour faire moins de boulot chez mon employeur. Quand je reviens, j'ai un peu plus de temps pour avancer un peu mes sacs, en fait. Wow. Franchement. Et si je comprends bien, ça veut dire que tu travailles à la demande, en fait. Tu n'as pas un Oui. stock déjà où tu as déjà fait les sacs et tu proposes, ou Alors, tu le préfères stock, travailler à la demande? j'ai eu l'habitude de faire un stock. J'ai trouvé un créateur, un professionnel créateur de sacs à qui je demande de faire un stock. Mais un stock, ça pour moi, ce créateur-là, pour avoir des prix préférentiels, il faut un minimum de 10 commandes à la fois. Et moi, si je vois qu'il y a 5 commandes comme ça, je laisse stopper. Je peux dire aux gens, voilà, si vous voulez ce modèle-là, ça c'est un modèle, par exemple celui-là, ça c'est un modèle du créateur. Je dis, voilà, j'attends d'avoir un peu plus de commandes. Je fais par lot de 10, comme ça, j'ai au moins 2, 3 qui vont rester, que j'aurai sous la main. Si c'est pressant, quelqu'un veut un sac en wax, en ce moment-là, la personne n'aura pas le choix du wax. Ça sera le wax que moi, j'avais déjà choisi au départ et les sacs qui sont déjà faits. Et la personne, bien sûr, même si le sac, il est comme ça, on peut toujours broder dessus. Ça, c'est faisable. Par contre, avec la brodeuse que j'ai, je ne peux pas broder sur un sac déjà fini. Parce que ma brodeuse, elle brode à plat. Pour deux sacs déjà finis, là, je repars chez mon fameux Chez brodeur, le professionnel qui a des machines professionnelles. vous. Beaucoup plus, voilà. Là, lui, il peut broder là-dessus. Donc, pour modèle déjà comme ça existant, je ne peux pas broder plus, beaucoup, en fait. Il faut juste un nom minimum. Un nom minimum. Alors que sur les modèles, ça, c'est des modèles que moi-même, je fais à la maison. Je brode un peu plus des fleurs, voilà. C'est très joli. Je fais Waouh. quand même beaucoup plus que Et des c'est toujours fleurs le de cuir couleur. qui est là au milieu, en fait. Ça, c'est du cuir, ça, c'est du daim. Ça, c'est un modèle qui va aller aux États-Unis. Ça, c'est un modèle qui va aux États-Unis. Il y a une question là, comment commander des États-Unis? Ça, c'est un modèle qui va aux États-Unis. Donc, Voilà. je pense que Alors, pour commander. oui, j'ai vu, c'est Dan Linengu. C'est aussi mon petit. Toute la famille en ligne aujourd'hui, j'ai Oh Dell non, c'est partout. bien ça, ça fait plaisir, ils sont venus te soutenir, moi j'aime ça. Exactement. Oui, Alors, c'est bien.
Pour les États-Unis, bah, les personnes les contactent, je propose les tissus. La fameuse dame qui a le magasin de tissus à la maison, à chaque arrivage, elle m'envoie des photos. Ou bien moi, je passe dans la boutique faire des photos. Je prends les photos que j'ai toujours sur moi. Toutes les commandes qui arrivent, je propose les tissus parce que je sais qu'elles sont à la boutique. Et la personne choisit et je vais chercher le tissu. OK. Et c'est Donc, là si je que... comprends bien, tu as deux styles de, comment dire ça, de commande à la demande et avec l'autre créateur où tu peux faire un lot de 10. Oui. Mais OK, les je vois. gens préfèrent souvent les modèles que À la moi je commande. fais moi-même. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas m'hasarder. Comme j'aime pas avoir le stock, j'aime pas m'hasarder à comment à faire chez les créateurs. Je me dis, j'ai toujours quelque chose sous la main au cas où. Mais c'est vraiment ce plaisir que moi j'ai. C'est pas, pour moi, c'est pas le plaisir de commercialiser, c'est le plaisir de créer. De C'est pour créer, oui, ça et de le servir. privilégié. Et Exactement. chaque C'est pour tête ça est que. unique, en fait. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est comme ça que je fonctionne en fait. Et tu gères les commandes comment? Par exemple, tu reçois plusieurs commandes, bien ça dépend des périodes. Comment est-ce que tu gères les envois, la poste? Est-ce que il n'y a pas de complications? Parce que parfois, pour les créateurs, avec les colis à l'envoi, à la poste, je trouve que ce sont parfois un peu plus cher. Et je Oui, ne sais pas, comment est-ce que tu effectivement. gères ça? Là, j'ai essayé de regarder avec FedEx. Surtout pour les envois en dehors de l'Union européenne. Pour les États-Unis, ça me fait mal au cœur. J'ai beaucoup de clientes aux États-Unis, mais vraiment, j'en ai expédié, je ne sais même pas compter, quoi. Beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Ça me fait mal au cœur parce que les clients aux États-Unis payent 54 euros pour l'envoi. C'est très dangereux. Ça me fait mal au cœur, mais c'est des gens qui aiment le produit. Elles aiment ce que je fais, donc j'envoie. Mais des fois, j'essaie de grouper pour essayer un peu d'amortir un peu les Tire un frais peu les coups. d'envoi. Mais c'est toujours pas ça. Parce que je ne peux pas faire non plus attendre une cliente longtemps, quoi. Je ne peux pas dire d'ici peut-être un mois, il y aura une nouvelle cliente des États-Unis. Ma foi, si je peux grouper, j'essaie de grouper pour amortir les frais d'envoi. Si je ne peux pas, j'envoie par pièce et puis ma foi, elle paye, quoi. Elle paye le plus fort. J'ai regardé avec FedEx pour... voir un peu parce que pour des professionnels, ils ont quand même des tarifs préférentiels. J'ai regardé, mais il faut quand même un minimum de commandes. Moi, je ne peux pas garantir que j'envoie 100 000 par année. C'est tellement aléatoire. C'est tellement aléatoire. Donc, je vais encore regarder un peu. Ils m'ont envoyé leur offre. Ça pourra baisser légèrement, en tout cas pour les États-Unis, baisser les frais d'envoi. Pour la Suisse, ben, ça, voilà, pour la Suisse, ça, c'est même Oui, pas un là, problème. c'est facile, oui, c'est facile. Pour l'Europe, donc quand je vois l'Europe, l'Union européenne, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et du coup, pour les clients qui sont à l'Union européenne, le problème qui se pose, c'est que depuis 2 ans maintenant, l'Union européenne taxe tous les articles qui viennent de l'étranger. Depuis 2 ans, depuis le 1er juillet 2000, Il doit payer la douane, quoi. il faut payer la douane. Je sais qu'un sac Beau et Belle qui passe par la douane dans l'Union européenne, la cliente sur place paye 20 euros, 25 euros de frais. Non. Et c'est que j'ai fait. Moi, je suis en Suisse romande. La frontière la plus proche de ma maison est à 1h15. J'arrive à Évian. Ou bien si je veux aller jusqu'à Annemasse, c'est aussi possible. Je vais jusqu'à Annemasse. Annemasse, c'est à 2 heures de chez moi. Donc, ce que je fais C'est quand pour les même loin, hein. clients... 2 heures, c'est beaucoup. C'est loin. Hier, par exemple, j'ai Aller-retour, ça expédié. fait 4 heures, oui, Oui. le temps de tout envoyer, c'est 5 heures, Ça. tu es, oui. C'est ça. Hier, j'ai envoyé depuis Évian. Donc, je suis allé jusqu'à Évian. J'ai envoyé au moins, voilà. Je profite aussi. Évian, c'est 1 heure et quart de chez moi. Je me balade aussi. Hier, c'était Oui, mon vendredi, tu vois. Je suis seul, je me balade aussi. Je fais quelques courses de produits qu'on trouve en France, qu'on ne trouve pas en Suisse. J'essaie un peu de m'occuper comme ça. Au moins, je peux aussi profiter pour envoyer les articles depuis la France pour éviter de faire payer la taxe douanière, en fait, à mes clientes. Et combien coûte un sac chez toi? Est-ce qu'il y a des prix selon les formats? Exactement. Le sac le plus moins cher, c'est combien? Et le sac le Le plus sac cher? le plus moins cher, ça c'est c'est que je peux même pas appeler mes filles pour qu'elles me suivent, mes filles. Solène, Tiens, Ségolène, tiens sont là, Ségobo, il faut dire, allez Amélie. chercher les sacs. Elles sont en train de me suivre. Amenez-moi Oui. mon lunch bag, s'il vous plaît. Celle qui me suit Et depuis le salon. je pense quand même que tu as plusieurs, je pense, catégories, non? Tu as ce style, Exactement.
Exactement. Et tu as combien en tout, en fait, de catégories de... Après, les standards, j'en ai, je pense, quatre. Le OK. lunch bag, si vous regardez dans Instagram, lunch bag, c'est vraiment, c'est le même style, mais l'idée, c'est vraiment lunch bag, comme le dit le nom, hein, c'est vraiment un sac, un petit sac pour aller amener son Tupperware au travail, Oui, pour OK. amener la nourriture au travail, en fait. C'est vraiment le lunch bag, c'est le moins cher. Ah, je me suis fait entendre. Merci. Ça, c'est le lunch bag. Wow. Il est petit, Il est toujours wax beau. à l'intérieur. Et dedans, on peut mettre une gourde, on peut mettre son plat Wow, c'est trop joli. pour le travail. Voilà. Le lunch bag, celui-là, le petit, donc c'est un petit, il est à 60 francs. Les euros et les francs suisses, c'est plus ou moins la même chose, hein. La même chose, OK. On va Voilà. dire Donc, environ c'est 60 euros. environ 60 euros le lunch bag. Et c'est quel Ça, c'est tissu qui est là tout autour? C'est du daim, c'est du jean? Du lin. Ah, du lin, waouh! C'est Ça, c'est très du beau. lin avec wax dedans. Dedans. Franchement, tu as un Voilà. très beau choix des couleurs en wax. Et le Oui. cuir jaune. Oui. Ça, c'est le cuir. Voilà. C'est toujours Et aussi belle. avec le vrai cuir. Donc, voilà, Donc, ça, il y c'est a le ce lunch. format. Il y a ce format-là. Ça, c'est le plus petit. J'ai fait aussi comme ça. Ça, c'est des essais que je fais, en fait, que je garde au fur et à mesure. Après, en général, ce que je fais, c'est un essai. Si quelqu'un est intéressé, je vends aussi, en fait. C'est quand je fais des essais comme ça, je garde, mais voilà. Donc, il y a toujours fermeture éclair. En général, sur tous mes sacs, il y a fermeture éclair. Il y a deux Bien poches fait. dedans. Une poche pour mettre son téléphone portable et une poche dans ce modèle, voilà. On a aussi une poche zippée pour mettre le porte-monnaie en sécurité. Donc ça a J'ai un vraiment petit un peu les focus. sacs là. C'est très beau. Et le wax, franchement, le choix du wax, c'est moi. Merci. Rien à dire, c'est très beau. Vous êtes d'accord, non, mamzelle? Il y a les perles qui sont là. C'est très joli. Donc Voilà. là, on va dire ça, c'est aussi un autre format. Et Ça, c'est encore. aussi un autre format. Celui-là, c'est le. Moi, les formats, je les appelle, je les identifie en termes de X, XL, comme pour les vêtements, en fait. Le lunch bag, c'est un small, en fait. Le small, il est 60 francs. Celui-là, c'est un M. Le M, il est 80 francs. 80 francs, OK. Environ 80 euros. Environ 80 euros. Et après, on arrive justement à. Le sac Ça, c'est le style XL. le XL, OK. Le XL, il est 100 francs. Ça, c'est un modèle avec du daim. OK. Environ La 100 cliente, euros. ça, c'est trois sacs. Les trois grands sacs que j'ai là, ils vont aux États-Unis et les clientes m'ont exigé du daim. Donc, il fallait trouver le daim. Donc. Wow. Franchement, c'est trop joli. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Les sacs sont magnifiques. Je lis les commentaires là. Nanoun qui dit c'est magnifique. Corinne qui Avec dit le c'est super fronfron. chouette. Et là aussi, c'est du daim. Wow. Oui. C'est vraiment, quand je fais un pompon comme ça sur un sac, c'est exactement le même cuir que j'utilise là. Je le fais en pompon et je fais cette fermeture-là. Cette fermeture, des fois, je ne le fais pas. Ça dépend, en fait, de l'inspiration. Comme je dis, chaque sac est différent. C'est vraiment Oui, c'est unique. l'inspiration du moment, en fait. Et Donc, avec. le simi qui est écrit là, c'est le nom de la cliente. C'est le nom de la cliente. OK. Donc la cliente peut dire je veux mon nom dessus ou Exactement. je ne veux pas de nom dessus. Exactement. OK. Il y Donc. a une fille de ma où acheter pour les wax. Je pense qu'elle achète ça chez En ta. Suisse, la plupart de mes En wax sont Suisse. achetés en Suisse. Tout ce que la plupart de mes wax, en fait, tout ça, c'est du Julius, la marque Julius. OK. Voilà, c'est du Julius Hollande. Hollande ou hollandais, je ne sais plus comment ça s'appelle. La plupart Hollandais. de mes wax sont de Julius. Je C'est le vrai travaille wax, c'est quasiment. pas le faux wax. Non, non, c'est du vrai. En général, c'est du vrai. Mais après, par exemple, quand je fais un voyage au Congo et que je trouve du beau wax, ça, c'est un wax du Congo. C'est trop beau. Ça, c'est un wax du Congo. Si je trouve un très beau wax qui m'inspire, je prends, en fait. Je prends, mais comme je même en tant en wax, j'aime pas avoir beaucoup de stock comme j'ai Tu mis à côté d'une évites de boutique. quoi? Et quand tu prends, tu achètes
des wax, s'il y a ou juste des coupons, juste ce dont tu as Elles besoin. vendent des coupons, elles ne vendent pas Ok, yard en donc c'est fait. plus facile, Un oui. sac, ça me prend 1 yard. Ok. Sinon, ça serait difficile de les vendre parce que si j'ai du Oui, stock justement. et qu'il n'y a personne qui est intéressé par le reste, ça me fait des restes, vraiment une perte d'argent. Donc c'est pour ça, vraiment, je bénis cette dame, quoi. Elle est vraiment magnifique. Je peux acheter en yard, je vends, je fais le stack selon la commande que j'ai, j'envoie et puis voilà. Ok. Est-ce que ça se passe bien avec tes clients? Tu n'as jamais eu une mauvaise expérience avec une de tes clientes où tout se passe bien chez toi? Parce que je sais quand même que quand on fait des commandes comme ça, parfois ça peut ne pas bien se passer, pardon. Est-ce Alors, que chez toi? j'ai eu déjà une fois une commande pour la Belgique et une fois encore, ça s'est reproduit en Suisse pour Genève où une personne me fait sa commande. En fait, je fais le sac en sachant que les sacs sont quand même personnalisés. Je ne veux pas revendre à quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas. Et au dernier moment, pas de nouvelles. Non. Je me retrouve avec des sacs personnalisé, pas de nouvelles. Est-ce En que lorsqu'on général, commande le sac chez toi, on paye d'abord avant que tu... Oui. je demande toujours l'argent avant. Parce que moi, de Oui. toute façon, je ne peux pas être malhonnête. Moi, j'ai besoin Oui. de me faire connaître encore plus. Plus j'ai de gens qui parlent de moi en bien, plus j'ai des gens qui me connaissent et plus j'ai des commandes. Donc, la Oui. personne qui me verse l'argent, si le produit ne plaît pas, je peux toujours refaire. Au moins, pour moi, il n'y a pas de problème en ce moment-là. Mais la personne qui commande, j'ai fait confiance en fait parce que c'est des gens que je connaissais. J'ai personnalisé le sac et plus de nouvelles. Et Mais j'ai j'avais quand trouvé même payé. l'astuce. Ces deux personnes n'avaient pas payé. Ça m'est arrivé 2 fois seulement au sac. L'astuce que j'avais trouvée, je pense que j'avais fait la vidéo, j'avais mis sur Facebook par contre. J'avais mis cette vidéo-là sur Facebook où j'avais personnalisé comme ça. Et après, parce que je peux vous montrer le matériel que j'ai pour le cuir. Voilà. Voilà. Ça, c'est une lame qui coupe. Je pose sur le cuir comme ça. Je tape avec un marteau. Il me fait ce rond-là nickel comme ça. Et c'est que j'avais trouvé, j'ai dû couper de rond comme ça de cuir pour cacher le nom, mais de manière esthétique. Et c'est ma fameuse collègue qui me l'a racheté. J'avais juste enlevé le nom, mais de manière vraiment esthétique. On ne pouvait pas savoir qu'il y avait un nom caché dessous. Le cachet dessus, oui. Et là, comme ça, ma collègue a pu Oui, sinon tu racheter. allais te retrouver avec un sac personnalisé que toi-même tu ne peux même pas utiliser à cause C'est ça. de C'est la ça. personnalisation, en fait. J'ai un Waouh. deuxième que j'ai encore là. C'était un sac de Genève que j'ai encore là. Ça fait 2 ans. Ça, c'est Ça pas fait 2 ans. gentil, hein, c'est pas gentil. À part ces deux cas, est-ce que tu as déjà eu des cas où la cliente n'est pas satisfaite de sa commande, tu as réalisé un sac et puis ça l'a pas plu ou Alors, bien ça t'est jamais arrivé? en sac, oui, une dame m'a commandé un sac depuis Kolwezi. Kolwezi, c'est au fin fond du Congo. Je peux pas vous... C'est vers le Katanga, je crois. Je connais pas très bien. Oui, c'est vers le Katanga. C'est au Katanga, oui. C'est une dame qui a vu la publicité. Parce qu'il y avait une actrice congolaise qui avait le sac Boebel. Elle a fait la pub autour de ça. Et la dame, depuis Kolwezi, m'a commandé un sac. J'ai fait le sac. J'ai envoyé. Le sac arrive. Elle n'était pas satisfaite. Elle me dit, non, par rapport au sac que j'avais vu chez la comédienne, ce n'est pas la même chose. J'ai beau dire que pour moi, c'était la même chose. Voilà, pour elle, ce n'était pas ça. Alors, du coup, je lui ai dit, OK, alors pour moi, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas contente. Moi, je peux vous refaire le sac. Par contre, vous repayez les frais d'envoi. Je vous D'avoir refais un une. sac neuf, mais vous repayez les frais d'envoi. Finalement, elle me dit, mais non, mais finalement, écoutez, enfin, parce que quand il y a une commande comme ça, il y a le suivi, il y a quand même pas l'amitié, mais on a eu à parler Oui, plusieurs fois. Finalement. puisque tu voulais avec la commande, tu peux montrer à la personne. Exactement. Et du coup, elle me dit, mais non, c'est pas grave. Si une fois tu viens au Congo, tu fais un sac, ça me fera plaisir, mais sinon, voilà. Faut pas refaire vraiment et envoyer que parce que je suis pas contente. Donc on était resté là. Et puis quand je faisais encore beaucoup d'habits, j'ai eu aussi une dame
Une dame du Nigeria qui est venue avec, vous voyez les modèles qu'on voit, les Nigérianes, là, qui portent Les cintrés, les cintrés, voilà, cintrés. cintrés, Et puis elle vient, elle me demande de faire. Je lui ai dit, OK, je vais essayer. Je lui demande combien coûte son tissu, parce que c'était marqué Super Wax hollandais, mais en touchant, je voyais que ce n'était pas du tout ça. Je lui ai dit, à combien vous l'avez acheté? Elle m'a dit le prix, 10 dollars. Je lui ai dit, OK, si je n'arrive pas, ça sera 10 dollars que je vais rembourser. Même si c'est marqué Super Wax, on sait que ce n'est pas du vrai. Et puis elle vient, elle était vraiment forte, quoi. Elle était vraiment forte, tout ça. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire. J'ai fait. Elle porte l'habit. Moi-même, je regardais, je me disais, Tu mon dis Dieu, qu'est-ce que tu as que fait? non, ça J'étais, mais à côté. En plus, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on va quand même faire de. Enfin, on va commander un habit. C'est du sur-mesure. Les femmes, s'il vous plaît, portez de beaux soutiens, mais vraiment qui vous tiennent très bien. Comme ça, la il y a d'autres couturière, qui vont quand elle faire prend. même se pointer comme ça, t'as un soutien-gorge. Mais ça fausse tout. Ça fausse tout. Ça fausse tout. Tout. Exactement. Et donc, du coup, voilà, elle était forte, cette dame. J'ai vraiment loupé. Je me suis dit, ma foi, je vais vous rembourser. Et elle aussi, elle m'a dit, non, non, au moins, vous avez été clair pour moi dès le Que lui, dès départ. le départ, Vous oui. essayez, vous n'êtes pas couturière professionnelle, on peut en rester là, il n'y a pas de souci pour moi. Et voilà, les deux cas où j'ai vraiment, enfin, celui-là, ce cas-là, j'ai vraiment loupé. Et celui du sac, pour moi, je l'avais réussi, mais pour la cliente, pas. Wow. OK. En tout cas, chapeau, hein, parce que tout ce que tu arrives à faire et tout ça. Et est-ce que y a déjà eu des moments où tu as eu des doutes dans ta couture? Comment est-ce que tu as géré ça? Parce que quand même, je pense que tu t'en sortais bien et parce que tout sont que les prouesses qu'on attend là. Est-ce que tu Alors, as eu des moments de difficulté où, voilà, peut-être un projet t'a dépassé ou bien tu as raté et puis tu t'es senti mal et tout? au début, ben, comme je dis, hein, je ne suis pas couturière professionnelle et je devais chaque fois, pour moi, chaque commande était un challenge. Chaque commande était un challenge parce que je n'avais pas non plus confiance en moi. Parce que je me disais, ben, voilà, Oui, pour chaque commande, une oui. personne qui vient qui me commande un short, j'ai jamais fait un short. Comment avoir confiance en moi alors que j'ai jamais fait un short? Donc pour moi, chaque commande était challenge, vraiment challenge sur challenge. J'ai avancé comme ça de challenge à challenge en fait. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance. Parce que peut-être aussi au départ, j'ai fait beaucoup d'habits pour les enfants. Comme j'ai dit, les habits des enfants, c'est très facile à faire. Oui. Les robes trapèzes, là, c'est la coupe, elle est toujours la même. Après, on met un peu de fantaisie pour faire la différence. Mais la Oui, coupe c'est vite trapèze, elle est toujours la même chose. Et chaque fois, mais vraiment, j'ai pris confiance au fur et à mesure. fait. Même quand j'ai douté, j'ai essayé. OK. Chaque fois, dans le doute, j'essaye. Et quand j'essaye, je vois que j'ai réussi, ça me booste l'estime de soi, la confiance en soi est Ça boostée parce que j'ai vu que j'ai réussi. Et quand j'ai réussi et que ça plaît, ça, c'est encore cerise sur le gâteau. Oui, ça fait du bien. Ça Exactement. fait Pour les du personnes bien. qui veulent commencer, c'est vrai que ça va demander beaucoup d'argent pour commencer, parce que beaucoup d'argent, ça veut dire en termes de tissu. En France, Oui, par c'est exemple, ça. ou en Belgique, vous avez des marchés de tissus. Vous voyez, vous avez des marchés où vous pouvez trouver. J'ai regardé hein, l'interview il y a 2 semaines où on parlait de tissus à 1 euro le mètre. Attendez, en Suisse, 1 euro le mètre? Mais 1 euro le mètre, je prends 100 mètres quoi, pour faire des doublures de sacs. Je fais un stock. En Suisse, ça n'existe pas. Mais alors que dans les autres pays, on a cette possibilité-là. Alors, prenez d'abord des tissus simples, coton. Lin, c'est très facile à faire, Oui, mais c'est dedans, cher. c'est facile à faire, mais c'est cher. Mais c'est Moi, cher. j'aime cette matière, mais elle est trop chère. C'est Elle est pas trop évident. chère. Voilà. Donc, prenez des tissus, essayez, essayez et essayez. C'est là que c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. C'est là que vous allez vraiment avoir confiance en vous. C'est là que vous allez avoir de l'expérience et c'est là que vous allez aller de l'avant, en fait. OK. Et qu'est-ce que je voulais encore te demander par rapport à ton activité parallèle, parce que ta vente des sacs, c'est une activité parallèle à ton job, tu vois. Est-ce que tu n'as pas eu, pas des difficultés, mais tu n'as pas eu une peur à te lancer, dire, bon, je vais proposer ce que je fais. Pour toi, c'est allé
normalement comme ça ou parce qu'il y a d'autres personnes, malgré qu'elles ont quelque chose en elles, bon, on peut ne pas oser proposer ses créations aux gens, à la vente en fait. Pour Alors, toi, moi, ça a comme j'avais été dit, juste comme ça, tu t'es dit, OK, moi je vais proposer. Bref, depuis le alors, départ, puisque même tes vêtements enfants, oui. depuis le départ, moi, du moment que ça plaisait, c'est l'élément déclencheur, en fait, pour que je sois ouverte à la vente, c'était vraiment tout ce qui était par rapport au camp scolaire pour mes filles. C'est ça Oui, qui OK. a tout Donc, déclenché. c'est ça qui était ta motivation, en fait. C'est ça. J'ai oublié juste une étape intermédiaire, en fait. Après, quand je offrais, et après, je demandais aux gens d'amener leur tissu et je faisais gratuitement. Je suis passé par cette étape-là aussi. Donc, ça veut dire que j'ai quand même pris 2 ans où je Oui. ne faisais que ça. Que donner, oui. 2 ans d'autodidacte, de tuto, 2 ans à chercher c'est quoi que je peux faire, à regarder, à améliorer. Voilà. 2 ans où j'étais fermée au public, où je faisais que pour moi. Mais Je vois Nelka qui demande si je fais aussi les trousses de aussi maquillage. les Je ça fais aussi les trousses de maquillage. Comme je dis, moi, je ne peux pas dire, je ne fais pas. Non, je fais. Parce que toute commande est un challenge pour moi. Wow. Elle n'a pas Nelka peur, TV, hein? je n'ai pas peur. Parce que pour moi, le deal est clair. Je ne réussis pas, je remets votre tissu. Elle n'a pas peur Le des deal. commandes. Tu demandes, elle te dit, OK, il n'y a pas de problème, mais si je rate, je te rends ton tissu. Voilà, le deal est clair. Franchement, chapeau. Et ta famille, comment est-ce qu'elle a, elle a, puisque toi, au départ, bon, couture et toi, c'était pas là. Après, à un moment donné, tes filles voient maman en train de coudre, ou alors ton mari surtout. Comment est-ce qu'il a pris la chose? Mon Quand tu mari t'es arrivé avec tes machines à coudre, il dit, mais tu pars où avec ça? au départ, il me comprenait pas, il me disait, mais tu te lances encore dans quoi là? Pour moi, pour lui, c'était un peu, mais tu sors de la routine, là, tu vas, tu veux explorer autre chose, mais il ne comprenait pas. En même temps, il voyait la satisfaction que j'avais à faire de la couture. J'étais tellement dans mon élément, il me regardait sans rien dire. J'arrivais l'été, parce que j'ai 2 ateliers. L'hiver, j'ai ça comme atelier, enfin, permanent, ça, c'est mon atelier. Mais l'été, quand il fait un peu plus chaud, j'ai une pièce que j'utilise aussi. Deux fois, mais cette pièce-là, c'est juste collé presque à mon salon, quoi. On voit la Salon, pièce oui. depuis mon salon. Des fois, le soir, j'étais fatiguée, je ne pouvais même pas ranger. Il ne me disait rien, tellement que il voyait la satisfaction que j'avais Sûr dans la que ça se couture. donnait, waouh. Il m'a, à un moment donné, il a commencé à me soutenir. Quand il a vu que je ne pouvais plus me détacher de la couture, il a commencé à me soutenir. C'est lui qui a aménagé cet atelier, en fait. Il me dit, bon, c'est lui qui a acheté enfin, qui a amené les tables, il m'a fait des placards, des rangements. Ben là, je ne peux pas bouger la caméra, mais c'est tout le mur là-bas, c'est des rangements où je mets quand même pas mal de stocks, des fils, tout ça. Voilà, il a commencé à croire en moi, en fait. Il a commencé à croire en moi. Là, je pense qu'il voit, ce que j'ai fait. Maintenant, il n'a plus aucun doute. Il Aucun n'a plus doute, aucun oui. doute. Voilà, quoi. Il Oh, sait ça fait que plaisir. je peux relever plusieurs défis dans le domaine de la couture. Et comment tu arrives à gérer entre ta famille, prendre soin de ta famille, ton travail et cette partie de toi, vendre tes sacs, coudre pour les clients? Tu gères tes Voilà. journées comment ou ta semaine comment? Donc là, je vois là, Ah Dan, il oui, pose la voilà même même la question. question. Il pose la On même a question. Dan, on a eu la même question. Exactement. Alors là, la chance que j'ai des enfants qui sont grandes. Mes filles elles ont eu 18 ans. Elles sont grandes, elles sont autonomes. Que maman soit là ou que maman ne soit pas là, elles font leur vie. Elles n'ont pas besoin de moi au quotidien, en fait. Ce qui fait qu'en période de grande commande, je peux même, comme j'avais dit dans la semaine, m'enfermer pour faire avancer le travail. Donc, non, non, j'ai vraiment la chance d'avoir des amis, enfin des enfants qui sont autonomes, un mari qui est compréhensible et qui me soutient. Oui, parce que ça aussi, ça compte, hein. C'est ça. C'est ça. Il sait que quand je suis dans mon monde, en moi, il peut s'occuper seul. Il peut On est dans s'occuper notre monde, seul. là, rien n'existe autour de nous, personne C'est ça. n'existe en fait. On ne voit pas le temps passer. On ne voit pas autant passer. Parce que C'est moi-même, ça. ça m'arrive souvent quand je monte au niveau de l'atelier, je peux passer 4 ou 5 heures du temps ici. Et le monsieur en bas, et après je me rends compte qu'en fait tu n'es pas seul dans la maison, il y a quelqu'un que tu as C'est ça. oublié là-bas. C'est C'est ça. juste
tellement ça nous absorbe C'est et ça. parfois c'est pas facile quand on est en couple de gérer tout ça. Quand tu C'est es ça. célibataire, donc ça va, tu cours comme tu veux. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un de compréhensif à côté de Oui. nous. Ça Oui, aide. c'est vrai. On oublie. Par exemple, aujourd'hui, j'avais ce live en tête. J'ai oublié que j'avais un baptême. J'étais absorbée dans ma tête. 20 h, le live. Qu'est-ce que Live. je fais pour être dégagée à 20 h? J'avais tout mon programme dans ma tête. Et mon mari qui me dit, mais en Sauf le fait, bateau. c'est aujourd'hui le baptême. C'était 14 h. Donc, j'avais déjà loupé la messe. Non, mais on est absorbé. La couture, ça procure, au-delà du plaisir de coudre, Oui. pour moi, c'est vraiment un bien-être que je retrouve dans la couture. On dit ça dans tous les métiers manuels, hein, apparemment, tout ce qui est Oui, artistique, quoi. apparemment, oui, c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que tellement quand tu es à fond à l'intérieur, tu es concentré, tu es tellement focus, rien n'existe plus. Exactement. Tu es Tout présent, en autour. fait. Tu es, oui, la personne, tu es Oui, présent. tu es Voilà, tu présent vis là. le moment présent, oui. La pleine Et c'est le conscience, moment, comme on dit, vivre le hein, moment c'est présent, c'est le meilleur moment, en tout ça. cas. C'est vraiment Oui. là et maintenant. Et maintenant, Même dans les exact. pensées, mais tout est Oui. positif dans la tête. Tu es vraiment Exact. là, tu savoures étape Oui, tu par savoures étape le moment. de ce que tu fais. C'est ça. Oui, c'est C'est ça. ça. C'est ainsi que moi, pour revenir un peu à mon métier, comme j'avais dit, je suis assistante sociale. Dans le domaine social, on en voit beaucoup de gens. Vous savez, dans le métier du social, dans tout ce qui est social, on encadre, on accompagne pas mal de gens cabossés dans la vie, quoi. Des gens qui ont eu de soucis de santé, qui ont eu de soucis de troubles psy, qui ont eu un passé qui n'a pas aidé à l'épanouissement, au bien-être. Nous, ces gens-là, on ne peut pas leur demander d'aller travailler parce qu'ils n'ont juste pas. Ils ne sont pas encore à l'étape de chercher du travail. Ils sont à l'étape de se reconstruire eux-mêmes. Et nous, ces gens-là, on les envoie dans ce qu'on appelle de mesures d'insertion sociale d'abord. Comme ça, la personne doit d'abord se socialiser, sociabiliser, avant d'envisager de travailler. Un peu comme dire à un toxico, ben, va chercher du travail. Ben, ça ne jouera pas. Déjà, Ça l'employeur ne le va, prendra non, pas. non, ça peut pas. L'employeur ne le prendra pas. Il faut d'abord faire un travail en amont. Le travail serait de l'aider à abandonner tout ce qui est frein et obstacle dans la vie avant d'envisager la réinsertion professionnelle. Et donc, Et c'est ce que tu fais en fait. C'est c'est l'un de ça. tes. Ça, c'est mon travail. Voilà. Et maintenant, comment j'ai fait pour arriver? Travail social et couture. J'ai essayé de trouver un pont pour mettre les deux ensemble. Travail, couture et. Et travail social et C'est couture. Donc ça, c'était mon challenge de fin de l'année passée. J'avais 2022. eu en tête l'idée de créer une mesure d'insertion pour aider les gens cabossés au départ. C'est vraiment une mesure censée aider les gens à se reconstruire, mais par le biais de la couture La et couture, autres wow. ateliers. Et donc, du coup, je me disais, mais moi, toujours, c'est la peur du début, hein. Moi, je ne suis pas couturière. Qui va me faire confiance? C'est toujours cette peur-là. Mais c'est tout ça. Nous, les couturiers autodidactes, là, on n'est pas passé par une formation professionnelle. Il y a toujours, moi-même, j'ai toujours ça. Il y a toujours cette. Bon, je suis pas. Je ne me sens pas légitime. Chaque fois, je dis non, mais je ne suis pas passée par la voie C'est normale. ça. Donc, voilà, je pense que c'est juste ça. Alors que Oui. tu arrives à faire des choses. Donc, c'est C'est ton ça. expérience que tu vas C'est ça. partager. Et donc, du coup, j'ai pensé à une ancienne collègue à moi qui avait sa sœur couturière professionnelle. Alors, je me suis dit, ben voilà, je vais leur parler du projet. Si ça match, on pourra monter une association ensemble. Donc, j'ai vu des deux femmes, j'ai parlé du projet. Elles m'ont dit, mais nous, on a pensé déjà à ça, mais on n'ose pas faire le pas. Moi, je leur ai dit, alors moi, j'ai tout le projet en tête, quoi. On a mis sur papier. On a créé une association, on a créé une mesure d'insertion sociale par le biais de la couture. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas encore prêtes à l'emploi, mais qui aiment la couture, parce qu'on a des gens qui ne peuvent juste pas sortir de chez eux parce qu'ils ont tellement des phobies par rapport à leur vécu, à leur parcours de vie. Alors ces gens-là, s'ils aiment la couture sera l'alibi pour sortir de la maison. C'est ça. Alors on essaye de faire ça. Ces gens-là, les services sociaux nous envoient des gens. On a commencé le 1er octobre 2022. Donc, on a déjà eu quelques personnes, encore
pas encore full, 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 mais on a déjà eu quelques personnes, on a eu plusieurs personnes envoyées par le service social qui viennent, même les gens qui connaissent rien de la couture. On commence par faire un test pour voir leur niveau. Après, la plupart des gens qui sont passés chez nous ont fait des housses de tête d'oreiller, par exemple, etc., etc., etc. Et donc, on voit ces gens-là, le sourire qu'elles ont. Finir un projet, c'est juste waouh pour eux. Ils arrivent là sans rien, mais à repartir avec un projet. Quelque Donc, chose, oui. ça, c'est vraiment C'est magnifique. Mes c'est une félicitations en tout victoire. cas. C'est Le un très, très plaisir, beau la projet. joie. C'est ça, la joie que je vois dans les visages de ce genre-là. Je me suis dit, Nadine, bravo, tu as fait quelque chose. Et Bravo, ça, c'est du vraiment. plaisir. Donc, on les accompagne. Enfin, c'est, si vous voulez, les gens qui veulent visiter le site internet pour cette association, ça s'appelle www.mesure-sur-mesure.ca. Donc, mesure sur mesure, ça s'appelle. Donc, on peut voir un peu les ateliers qu'on a. On a l'atelier écriture aussi, mais bon, je vais plutôt parler de la couture, hein. Mais c'est La vraiment des couture. projets comme ça. On accompagne les gens dans le domaine de la couture pour les aider à avoir confiance en eux. Tout simplement, le fait, une personne qui te dit, moi, je ne sers à rien. D'ailleurs, toute ma vie, j'ai été rabaissée, je ne sers à rien. Oui, je Qui t'ai arrive dit. là, qui fait un projet et qui réussit son projet. Ça, c'est une fierté. Et ces Oui, personnes-là, une à personne au va se fur et à sentir mesure, utile, en fait, oui, au fur et à mesure. Non, ils prennent franchement, mes confiance en félicitations. eux et ça booste pour aller de l'avant. L'avant, c'est un très beau projet. Merci, merci pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a des questions? On est déjà plus de 1 heure là. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est tellement, c'est très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez des questions, mes prêtis? S'il y a des questions pour Nadine, on va prendre quelques questions et on va se séparer. Je vois Farida m'a dit qui dit le sac Simi est une merveille. Oui, je suis convaincue moi aussi. Il est très beau. Il est très beau avec Ce dedans. mélange-là, Oui. il est juste magnifique. Je suis d'accord C'est très avec toi. beau. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Nadine? Si vous avez des questions pour Nadine, c'est le moment. Il faut poser vos questions. Elle vous écoute, elle nous a partagé son beau parcours, que de belles choses. Une femme battante, très courageuse, elle n'a peur de rien. Tu veux le sac, tu lui dis, elle dit, OK, je vais te faire ça. Donc, vraiment, c'est... Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ne soyez pas timide, mais prêtez. Vous n'avez pas de questions. On invitait là, elle vous attend. Vous n'avez pas de questions. Pour Apparemment, il les n'y a gens, pas de j'avais une questions. question qui était passée tout à l'heure qui demandait, je ne sais Oui. plus qui a posé la question, qui Moi, je ne sais demandait plus. comment me trouver. Oui, sur Donc, je suis Instagram. sur Oui, comment se trouver sur Instagram Instagram? et voilà, Beau et Belle sur Instagram Beau et belle sur Instagram. et Avec le R Facebook. et avec accent, on appelle accent circonflexe. Circonflexe, oui. Oui. Donc, faites les Voilà. screenshots. Beau et belle sur Instagram et sur Facebook également. Facebook, il y a un numéro de téléphone tout public Tu peux qu'on peut-être trouve. le dire. Oui. Voilà, le numéro tout public, on peut me joindre sur WhatsApp seulement, mais sur appel normal pas. C'est le 0041 0041. 76 76 531 2308. Ça, c'est le Tu peux numéro tout reprendre? public Tu peux WhatsApp à reprendre? n'importe quel moment. Oui, 0041 76 531 2308. 76 hein, pour les Français. 0041 76 531 2308. OK. Là, on a une question. Merci pour ta question, Logan. Tu te vois comment dans l'avenir, avoir un magasin ou autre chose du genre? Alors, Logam, Gaël, non, je ne me vois pas dans un magasin. L'avenir pour moi, si je dois me professionnaliser en tant que couturière, ça sera la pression de rentabiliser. Et cette pression-là, moi, je ne la veux pas. Ça doit pour moi rester un plaisir. C'est pour ça que j'ai toujours gardé mon travail à 80%. Je travaille donc 80%. Et la couture, pour moi, ça doit être le plaisir. J'ai encore aujourd'hui des gens qui me commandent
à qui je dis non, j'ai pas, je fais pas. Mais diplomatiquement, je dis non. Ou de gens à qui j'ai fait, diplomatiquement, j'ai fait comprendre aussi qu'ils ne reviennent pas. Parce que j'ai encore ce loisir, cette possibilité de le faire. Ça doit être du plaisir. Ça doit être sans pression de rentabilité. C'est ça, en fait. Donc, dans un magasin, il faut beaucoup, beaucoup de marketing, beaucoup, beaucoup, enfin, rentabiliser parce que je dois quand même payer mes factures. Et là, non, je ne veux pas que ce soit vraiment. Je ne veux pas de cette pression-là. Pour moi, ça doit rester du plaisir, en fait. C'est le pourquoi Nadine travaille toujours et à 80% de son temps, et le peu qui lui reste, elle accorde ça à sa couture, et si de temps en temps ça peut la dépanner, et voilà quoi. Ok, Exactement. merci pour ta réponse. Là aussi, c'est une autre question. Je pense que ça revient presque pareil. Demande, est-ce que tu confectionnes encore des vêtements pour enfants? Oui. Tout. Ok. Moi, l'étalage, je fais Nadine toujours a dit tout. que tout ce que vous voulez, commandez seulement. Tout Je ce fais que vous pour voulez. ça, c'est moi qui ai fait. La robe chemise que je porte, c'est moi qui l'ai fait, Waouh! par exemple. Je fais toujours. Ouais, et donc, vous commandez seulement. Vous la regardez sur Instagram, alors sur Facebook. Et voilà quoi. Sébastien, le Naou, bravo Nadine et merci. Après Tiro pour son temps magnifique. Merci. Merci aussi à toi Nadine d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nadine va dire le dernier mot pour encourager quelqu'un qui, voilà, peut-être qui va se reconnaître dans son parcours. N'hésitez pas à faire, comment dire ça, à partager votre talent, parce que moi, ce que j'ai apprécié aussi avec cette sac, elle le partage sur Instagram et sur Facebook. C'est par là que moi, je l'ai connue à travers Perle Rare. Et moi aussi, je suis venue me balader sur YouTube. C'est par là qu'il y a eu ce contact et nous voici maintenant en plein live. Donc, moi, je dis toujours, quand on a quelque chose avec l'heure actuelle, les réseaux sociaux et tout ça, n'hésitons pas à partager. Voilà, tout ce qu'on fait, on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous mener. Voilà, c'est ça, beau et belle, qui sont un peu partout dans le monde, qui sont très jolies. Mais elle a dit, Merci. pour le moment, pour son plaisir, elle ne veut pas ouvrir toute une grande société par rapport à ça. Donc, mais elle reste ouverte. Je pense quand même que tu restes ouverte. La vie est comme elle est. Tout à fait. Mais Tout à fait. elle reste Tout à ouverte, fait. mais ce n'est pas sa priorité maintenant. Tout à fait. Donc, merci les filles. Je commence mon sac. Je commence mon sac à main. Je pense qu'il voulait dire que je commande mon sac à main, quelque chose comme ça. Il faut commander, hein. Vous la contactez sur Instagram ou alors sur Facebook. Elle a aussi laissé son numéro là. Si tu peux rappeler ton numéro une fois de plus. Voilà, le numéro c'est le 0041 76 531 2308. OK. Uniquement Donc, WhatsApp. uniquement WhatsApp, pas d'appel normal. Merci Ange Aimée pour tes mots. Ça me fait plaisir. Et voilà, Nadine, un mot de la fin pour dire au revoir. C'est un petit que tu aimerais encourager, qui n'ose pas comme toi, voilà, qui fait des créations, mais qui n'ose pas peut-être partager ou alors, voilà, montrer. Alors, à toutes les personnes qui débutent dans la couture, moi, ce que je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Prenez le temps de commencer par de petits projets, pas forcément commencer grand. Parce qu'on commence grand et qu'on ne réussit pas, on aura du mal à se relever. Il faudrait commencer par des petits projets au fur et à mesure, au fur et à mesure, augmenter le niveau de challenge. Et c'est là qu'on grandit dans le domaine de la couture. Si vous pouvez regarder des tutos, moi j'ai toujours un site internet que je recommande à beaucoup. C'est Marlène Moukaï. Elle est Marlène sur Boucaille. Moukaï. Elle a un site internet qui s'appelle Marlène Moukaï. Elle a des patrons qu'elle met à disposition gratuitement avec de modèles. Elle enrichit son site internet chaque mois, en tout cas, elle met deux, trois nouveaux modèles en fonction des saisons. En prévision des saisons, parce qu'elle est toujours à l'avance. Donc là, elle commence à mettre la collection printemps-été, par exemple. Donc, c'est un site internet qui est en portugais. Je ne parle pas portugais, mais j'arrive à comprendre ses patrons, à partir de ça, faire mes vêtements. Ça, c'est une chemise, robe chemise, inspirée de son site internet, par exemple. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à commencer par de petits projets. Ne vous limitez pas dans le temps. Je ne suis pas arrivé aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Non,
Ne vous limitez pas dans le ton. Laissez-vous emporter par des challenges, en fait. Petit projet d'abord. Petit projet. Étape par étape, on grandit et on devient grand un jour. Voilà. Voilà. Petit à petit, L'oiseau fait petit son à nid. petit, l'oiseau fait son nid. Vraiment, merci Exactement. Nadine d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview. Ça m'a fait plaisir. Et à vous aussi, les prêtis, on va vous laisser. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, si tout va bien, par la grâce de Dieu, pour un autre live avec également une autre couturière qui va partager son parcours avec nous. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous. Ce sont des histoires comme ça là qui vont booster des gens, en fait. Je suis sûre que quelqu'un va se reconnaître dans ton histoire et lorsqu'elle va l'écouter, ça va chambouler quelque chose en elle. De toutes les façons, merci pour tes astuces de la machine à coudre. Ça, moi, j'ai noté. Avoir une machine à coudre de réserve, il faudra que j'aille chercher une machine deuxième, on ne sait jamais, pour limiter voilà, les dégâts, quoi. Voilà. Mes Merci prêtres, beaucoup. je vous dis au revoir. Voilà, tu disais. Je veux dire, merci beaucoup à toute la communauté qui a suivi ce direct. Pour ceux qui Merci étaient là, beaucoup. merci pour votre temps. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions, qui ont encouragé par des commentaires, à toute ma famille qui était scotchée devant les postes Vraiment. Merci des à la famille ordinateurs, les de Nadine. téléphones. C'est ça, la famille. Ils savent soutenir. Ça fait plaisir. Franchement, Voilà. bravo. Je vois aussi ma collègue de la mesure sur mesure qui est là, Flora. Merci beaucoup, mais vraiment merci de tout cœur. C'est encourageant de lire les commentaires, de voir qu'on est soutenu, de voir que ce que nous faisons plaît. Ça, il n'y a pas de Ça fait formule plaisir. miracle quoi, pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Ok, mes prêtres, on va vous laisser. Je vais couper le live. Portez-vous bien. Passez un très, très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Restez créatifs. Et nous, on se retrouve prochainement lors d'un prochain live ou alors dans une vidéo tutoriel. Bisous! Bye Ciao. bye! Ciao! Bye, Nadine! Bye bye.